toi. Bruno, je n'en peux plus. Allez, avance. Je suis enceinte, tu le sais. Oh. Lame, reste là. Je vais me battre. Oh non, pas ça. C'est mon père, Chieno. Est-ce que tu réalises ce que tu fais? Écoute, père. Non, pas de discours. Tu vas rentrer épouser ton cousin. Lame, viens. Crois-nous, rentre à la maison, c'est mieux. Non. Jamais je n'épouserai mon cousin. Père, j'aime Chieno. Tu nous déshonores. Je vais te tuer, petite garce. Oh, oh, oh. Père, non. Laissez-moi, non, lâchez-moi. Chêne, chêne. Suivez-moi. Une légende dit que si une femme enceinte urine sur un tigre, il devient son esclave pour toujours. Cela semble vrai.
Chiang, ne pleure plus. Tu es un beau garçon, hein? Et quand tu seras grand, tu pourras jouer avec ton oncle le tigre. Regarde, c'est lui. T'as des cheveux différents des nôtres. C'est pas joli. C'est très laid. Ta moustache est laide aussi. Chiang, un peu de respect. Allons nous amuser. Viens. Allez, viens. On va aller se battre. Debout. Allons, viens. J'ai joué. Attends-moi. Attends-moi. Tu cours trop vite. Je peux pas te suivre. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu as grandi, tu sais. Tu es devenu un homme. Tu me rappelles quelqu'un. Dis-moi qui? Ton père, Chiang. Mon père? Il habitait le village qui est situé à la lisière de la forêt. Il s'appelait Lin Shen Ho. Et est-ce qu'il vit encore? Dis-moi. Non, il ne vit plus. Il est mort avant ta naissance. Il ne t'a jamais vu. Oh, et comment est-il mort? Il a été tué par son grand-père, Chen Yi. Pourquoi grand-père l'a-t-il tué? Parce que... ils se sont querellés tous les deux. J'étais amoureuse de ton père. Et nous voulions nous marier. Seulement, mon père ne voulait pas de lui. Nous avons voulu fuir. Père nous a rattrapés, ils se sont battus. Je ne supportais pas l'idée de vivre sans ton père. Et j'ai sauté du haut de cette montagne. Par miracle, je n'ai pas été tuée. Et puis j'ai été sauvée par lui. Je suis alors restée ici, seule avec toi durant ces 20 années. Hein? Dis. Est-ce que je m'appelle comme mon père, Lin? Oui, c'est bien ton nom de famille. Chiang Lin, écoute maintenant, tu dois aller dans la famille de ton père. Ils me croient morte. Ils ne savent pas que je suis toujours en vie. Alors va les retrouver, Chiang, je ne peux pas y aller. Non, moi non plus, je ne veux pas. Je suis très bien avec toi, maman.
Mais c'est ridicule, Chiang. Mens. Oncle, sais-tu où est ce village? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui me ressemblent? Ça doit être drôle. Ils ne me connaissent pas. Je partirai avant la nuit. Veux-tu m'y conduire? Non, eh bien, j'irai seul dans ce cas. Venez nous aider! Viens-tu? Je vis dans la vallée. Oh. Dis, et pourquoi viens-tu chercher querelle ici? Je ne voulais pas me quereller. Je suis venu ici pour voir des gens. Des gens de ma famille. Ce sont eux qui m'ont attaqué et battu. Mais vous savez, je suis d'ici. D'ici tout comme eux. Oui. Pourtant, tu as dit que tu habites la vallée. Pourquoi dis-tu être d'ici? Je viens retrouver la famille de mon père. C'est lui qui vivait ici. Bien sûr, je comprends. Qui était ton père? Il est mort. Ah. Quel était le nom de ton père? Lin Shenhuo. Peux-tu nous dire comment il était? Non, je ne peux pas. Je ne l'ai jamais vu. Mon père a été tué. Par mon grand-père, avant ma naissance. Ah. C'est une bien curieuse histoire. Qui a pu te raconter tout ça? Ma mère me l'a raconté. Ah oui? Et quel est le nom de ta mère? Sien Sin Lan. Quoi? Ta mère? Tu dis c'est Sien Sin Lan? Je suis là! Je suis là! Mens! Chiang, qu'est-ce qu'il y a? Mens, regarde qui j'amène!
Dites-moi ce qu'il y a. Shinran, bonjour. Il y a tant d'années. Comment vas-tu? Shinran, tu es la bienvenue parmi nous. Shinran, nous sommes venus pour t'emmener avec nous à la maison. Qui est-elle? Tu sais, je te croyais morte. Alors plus tard, je me suis mariée. Shinran, tu dois venir avec nous. Nous sommes ta famille à présent. Non. Shino, j'ai pensé que tu étais mort, comme tout le monde. Oh! Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je t'enverrais. Mais je te demande quelque chose. Oui, demande. Je t'écoute. J'ai vécu ici 20 ans. Ma maison, c'est ici. Je suis habituée à cette vie. Mais je suis inquiète pour mon fils. Lui, tu dois l'emmener. Occupe-toi de lui. Non. Écoute, je ne partirai pas sans toi. Je resterai ici avec toi. Chiang, tu dois obéir. Suis-les. Tu dois aller vivre avec ton père et sa femme. Tu dois penser à ton avenir, Chiang. Oui, je ne peux pas te laisser vivre ici, cette vie sauvage. Mais pourquoi pas? Chiang, tu dois aller vivre avec ton père. Tu dois faire ce que je t'ai dit. Shinran. Sieno, je te le confie, c'est un bon garçon. Sois tranquille. Nous veillerons sur lui, Shinran. C'est très bien, merci. Shinran, Shinran. Vous, allez par là. Et vous aussi. Allons-y. Vous, suivez-moi. C'est curieux. Il ne peut pas être très loin. Cherchons-le. Oui. Toi, cherche de ce côté. Ah!
voyons, laisse-moi. Pas question. Qui es-tu? N'aie surtout pas peur. La patience est toujours récompensée. Tu sais, j'ai été à l'affût toute la journée sans rien voir. Mais je viens de prendre un joli animal que je vais pouvoir garder. Tu n'oserais pas? Hein, et pourquoi? Je te capturerai, oublierais-tu? Tu m'appartiens. Et j'ai bien l'intention de te garder. Je ne te ferai aucun mal. Tu devrais avoir honte de parler comme ça. Dis ce que tu veux, mais ça ne changera rien à ma décision. Voyons. Oh. Je ne te permets pas de me parler comme ça, ni toi, ni personne. Relâche-moi. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir un animal comme toi. Alors, je l'ai, je le garde pour moi tout seul. Tu es... Que vas-tu faire de moi? Rien de spécial. Je vais te mettre dans une cage et je te regarderai quand ça me plaira. Et je pourrai même, si je le veux, te regarder toute la journée. Tu es vraiment fou? Peut-être fou de toi, alors. Si tu es un homme civilisé, tu dois savoir que ce que tu viens de faire est très grave. Et pourquoi, dis-moi? Enlever une jeune fille, eh bien, c'est un crime. Et tu vas être envoyé en prison. Ah, tu es une jeune fille, hein? Pas un animal. Est-ce que tu es aveugle ou est-ce que tu te moques de moi? Ah oui, c'est ça. Tu as raison, je dois être aveugle. Crois-moi, si tu ne me l'avais pas dit, j'ignorerais toujours que tu es une femme. Maintenant que tu le sais, eh bien, tu dois me laisser partir. Oui, bien sûr. Je te laisse. Mais avant... Laisse-moi. Tu as pensé que j'étais cruelle. Eh bien, tu as raison de penser ça, tu sais. Je suis un garçon très cruel. Tu me taquines. Tu n'es pas cruel. Non, mais je suis heureux de t'avoir rencontré. Je ne pourrai jamais être cruel avec toi. Alors, dans ce cas, laisse-moi partir. C'est d'accord, je te laisse partir tout de suite. Oh! Regarde, comment vas-tu descendre de cet arbre? Je serais responsable si tu étais blessé, c'est ennuyeux, ça. Ça suffit, laisse-moi partir. Oui, tout de suite. Ah, je te laisse. Tu vas retourner chez toi, mais tu es sûr de ne pas regretter? Tu ne veux pas rester avec moi? Hein? Assez plaisanté. Attends! Hé, ne me laisse pas ici! Oh, c'est vrai, tu dois redescendre de là. Allons-y. Je commence à comprendre qui tu es. Ah, j'étais stupide en plus d'être aveugle. Tu n'es pas une fille, tu es une méchante tigresse. Tu te bats comme elle. Arrête. Ah. Dis, tu veux donc me tuer? Oui, tu vas mourir. Pourquoi me détestes-tu tant? Pas capable de me tuer comme ça. Parce que je suis bonne avec toi, je te laisse en vie cette fois, je t'épargne. Tu ne veux plus me tuer alors? Pour l'instant, non. Merci, mais je ne te laisse pas partir d'ici. Tu tiens à te faire tuer? Pas du tout, j'aime trop la vie. Surtout maintenant, je ne veux pas la risquer. Que veux-tu dire? Parle-moi de toi. Dis-moi qui tu es, comment tu t'appelles, et aussi d'où tu viens. Je veux tout savoir sur toi. Je trouve que tu es trop curieux et impertinent. Je te dirai absolument rien. Ah. Très bien, je ne veux pas t'obliger. Moi, je vais te dire mon nom. C'est Lin Zhaoqiang. Je vis au village. Comment as-tu dit? Ton nom, c'est Lin? Oui, c'est ça. Tu te souviendras? Tu peux t'en aller maintenant. Je pense que c'est toi qu'il cherche.
Ton nom, c'est Xiaoling? Disparais d'ici. Je suis une fille, Yetch. S'il te voit ici, tu risques d'avoir de gros problèmes. Toi, une fille, Yetch? Allez, va-t'en, Tian. À présent, sois raisonnable. Je ne tiens pas à ce qu'il t'attrape. Je m'en vais. J'arrive. Xiaoli. Xiaoli. Comment est-ce possible? Elle, une Yetch. Shao Xiang. C'est toi? Shao Xiang. Où allez-vous? Nous allons en ville. Et dis-moi, que fais-tu ici? Je me promenais, je m'ennuie à la maison. Tu dois rentrer, c'est dangereux de rester ici. La famille Yetch et sa bande chassent le tigre. Je comprends, ne t'inquiète pas, je rentre. Ça t'évitera des ennuis. Je sais, j'y vais tout de suite. À plus tard. Salut! Et dites, il paraît que les Yetch ont fait une belle chasse. Ils font une grande fête ce soir. Oh, vraiment? Oui, et ma femme ne veut pas me laisser y aller. T'ennuyeux? Oncle, tout est très bon. C'est une soirée très réussie, très con ensemble. À votre santé. Merci, Kao, à la famille. Belle cousine, bois avec moi, veux-tu? Se passe-t-il? Bois avec moi. Cousin, moi je vais boire avec toi. Allez, buvons. Ciao, viens, allons faire un tour. Hey, why are you?
Suis-moi. Xiao, allons. Éloignons-nous d'ici. Viens. Viens vite. Xiao. Tu sais, tu ressembles à un très joli petit animal. Dis-moi, de quel droit tu oses te présenter chez mes parents? Tu le sais, je suis ici pour toi. Eh bien, c'est idiot. Et pourquoi? Je ferai n'importe quoi pour toi. Ça, tu dois le savoir. Tu n'as pas peur que je crie? Pourquoi? Je sais que tu ne le feras pas. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Je sais. Je sais que tu ne me veux aucun mal. Et je sais que tu t'inquiètes pour moi aussi. Ah, oh, tu... Dis, je suis quoi? Ne sois pas fâché. Alors, pourquoi as-tu pris des risques? Pour te voir. Ah, pour moi? Je n'ai pas cessé de penser à toi à chaque instant. Je devais te voir. Que m'importe le reste? Oh, je veux te croire. J'espère que tu ne mens pas. Pourquoi j'aurais pris tant de risques sinon? Chilua, as-tu vu ta sœur? Non, pourquoi? Dis-moi où elle est. Je ne sais pas. Ah, où est-elle passée? Tu sais, ce n'est plus une enfant. Elle est en âge de se promener seule. Et où elle veut? Chilua, tu es... Je ne suis pas aussi belle qu'elle. Mais ce n'est pas une raison pour m'ignorer. Chilua, dis-moi pourquoi tu parles comme ça? Parce que tu ne peux pas vivre sans ma sœur. Mais j'ai idée qu'elle aime un autre homme. Quoi? Oui, c'est la vérité. Je l'ai vue s'éloigner de ce côté avec un homme. C'est sérieux? Oui, et inutile de t'énerver. Chilua! Attends! Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas encore. Je dois réfléchir à tout ça. À quoi? À nous. Notre avenir en dépend, Xiao. Xianglin, tout avenir ensemble est impossible pour nous deux. Xiao, ne parle pas comme ça. Je ne te laisserai jamais, tu entends? Xiang, tu ne dois pas oublier nos familles, leur haine. Je sais. Oui, je sais, Xiao, nos familles.
Depuis des générations, elles se haïssent. Nous devons arrêter ça. Cette haine doit cesser. Oui. Toute cette haine n'a apporté que douleur et souffrance pour les nôtres. Écoute, Xiao. Ayons confiance. Tous les deux, ensemble, nous arriverons à éteindre cette haine. C'est possible? Oui, on doit y parvenir. Nos parents comprendront. Bonsoir, Xiao. Qui est-ce? Mon cousin. Xiaoling, qui est-ce? Je suis Chao Changlin. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es de la famille Lin. C'est exact. Xiao, comment peux-tu lui parler? C'est mon ennemi. Je suis ici pour voir Xiaoling. Et pour aucune autre raison. Xiao, je t'écoute. Dis-moi si tu désirais le voir. Bien sûr, je suis très contente de le voir. Ah, Xiao, pourquoi? Cela me regarde. Changlin, aurais-tu la sottise de vouloir séduire une fille Yetch? Oh! Pas ça, s'il vous plaît! Ne vous battez pas! Non, arrêtez! Bye! Il s'appelle Shao Chiang. Il est de la famille Lin. Et tu oses venir chez nous, tu vas le regretter. Occupez-vous de lui. Non! Viens ici, toi! Depuis quand vous connaissez-vous? Depuis l'autre jour à la chasse. Sais-tu au moins qui il est? Un Lin, pour notre famille, c'est un ennemi. Tu le sais, comment as-tu osé lui parler? Tu ne devais pas le revoir. Pourquoi as-tu accepté de le revoir? Réponds. Je ne sais pas, père, j'en avais envie. Hein? Que veux-tu dire? Explique-toi. Tu vas regretter ton audace, tu m'entends? Ne la battez pas, voyons. Elle est si jeune et sans expérience. Il a voulu lui plaire. Elle se sera laissée séduire. À mon avis, dans quelques mois, elle l'aura oublié. Tu as beaucoup de chance d'avoir ton cousin. Tu ne le mérites pas. À partir d'aujourd'hui, plus question que tu quittes la maison. Ah, père, je vous en prie, pas ça. Ne soyez pas aussi cruel. Veux-tu te taire? Tu es une effrontée. Oncle, pardonnez-lui. Laissez-moi la raisonner. Elle regrettera tout cela. Elle est si innocente. Écoute-moi. Si Ao, ton père est un sage, tu as mal agi. Tu l'as mis dans une grande colère. Tu mérites d'être puni, tu le sais. Tu n'avais pas à trahir ta famille, mais je sais que tu le regrettes. Ah, je suis trop faible avec elle. Oncle, n'ayez aucune crainte.
Je suis sûr qu'il ne reviendra pas. Yinshi, tu vas surveiller ce garçon et aussi Xiao. Et tiens-moi informé de ce qu'elle fait. Merci de votre confiance. Vous pouvez compter sur moi. T'es fou! Il n'y a pas suffisamment de jolies filles au village. Pourquoi as-tu été choisir une fille de Yetch? Tu veux ma mort, c'est ça, dis. Écoute, père, je voudrais... Que veux-tu? Tu veux comme femme la fille de notre ennemi? Sais-tu que tu nous ridiculises? Non. Avez-vous déjà oublié votre amour pour ma mère? C'est difficile. Non, je n'ai rien oublié. J'ai failli mourir pour elle. Nous avons souffert tous les deux. J'ai juré que je mettrais fin à tout cela, tu l'entends? Père, vous avez des raisons pour les haïr. Mais tout cela, c'est le passé. Ça ne me concerne pas. Je n'ai aucune haine envers eux. Il n'y a aucune raison pour que Xiao et moi ne soyons pas heureux. Tu es un misérable. Tu devrais avoir honte. Tiens! Tu es fou, Chen. Ce n'est plus un enfant. Pourquoi l'as-tu battu, hein? Pourquoi cette violence? Tu es mon fils. Aussi, écoute, je t'interdis de revoir cette fille, Yetch. Père, vous ne pouvez pas me demander ça. Non, tu ne la battras pas, je te l'interdis, Chen. C'est indigne de toi. Ah. Va-t'en loin de ma vue, je ne veux plus te voir. Père. Ne m'appelle plus père. Va-t'en. Va-t'en. Xiao Qian. Oui, pars loin d'ici et ne reviens jamais. Xiao Qian. Mon fils est mort. Il l'a tué. Lin Xiaohao, nous nous sommes toujours haïs. Nous avons mis fin à nos querelles et respecté nos vies. Aujourd'hui, tout recommence, car ton fils a tué mon fils. Je dois le venger maintenant. Oncle, ne courez aucun risque. Je vengerai la mort de mon cousin. Je retrouverai cet homme. Je le tuerai. Vous avez ma parole. Pas de précipitation. Oncle, je ne veux pas continuer à vivre si je ne venge pas mon cousin. Restons calmes et étudions la situation. Pas de morts inutiles. Oncle, je ne vous comprends pas. Vous ne voulez pas venger mon cousin? Dites-moi, que voulez-vous faire? Laisse-moi faire, j'ai mon idée là-dessus. Xiao, il est peut-être en danger, que vas-tu faire? J'ai déjà envoyé des hommes à sa recherche, calme-toi. Nous devons attendre, je suis sûr qu'il reviendra chez lui. Auras-tu oublié tes paroles? Tu lui as dit de ne jamais revenir ici, à la maison. Maître. L'avez-vous trouvé? Pas encore. Stop it!
Mec, excusez-nous, mais la bande des Yesh est là. Elle a surpris nos hommes. Oh. Bonjour, Shen Lin. Fais venir ton fils. Que veux-tu à mon fils? Il doit payer la mort de Khan. Il a tué mon fils Khan. Il a tué ton fils Khan? Tu le sais. Dis-lui tout de suite de venir. Il n'est pas ici. Oh. Alors c'est toi que je vais tuer. Il viendra peut-être te sauver. Shen Lin, il faudrait mieux nous dire où il est. Parlez. Que fait-on? Vieil homme est mort. Il a dit vrai, son fils n'est pas là. Je veux que vous le retrouviez. D'accord. Suivez-moi. Est-ce que tu l'as trouvé? Nous avons cherché partout. Il n'y a aucune trace de lui, mon oncle. Xiang, que s'est-il passé? Tous, ils ont été tous tués.
devant nous, Xianglin. Sais-tu que nous allions justement à ta recherche? Tu dois être inconscient pour oser venir ici, tu risques ta vie. Nous sommes là, car nous voulons entendre Ling. Pourquoi cette cruauté? Pourquoi vous avez tué ces innocents? Pourquoi? Réponds, réponds pourquoi! Je devais venger mon fils Khan. Qui a tué ton fils? Lui, Chang! Moi? Et quand l'ai-je tué? Ne joue pas l'innocent. Explique-toi. Puisque tu le veux, très bien. Il est venu la nuit dernière chez mon oncle pour voir ma cousine. Vous êtes allé flirter près de la rivière et Khan vous a surpris. Vous vous êtes battu. Mais ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas tué, non. Tu l'as tué. Je ne l'ai pas tué, je vous le jure. Xianglin, tu as tué mon fils. Je répète que je ne l'ai pas tué. Mais vous, vous avez tué ma famille. Oui, tu as tué mon père, ma mère et ma sœur. Pourquoi avez-vous fait ça? Si vous êtes sûr que j'ai tué votre fils, il fallait me tuer moi, et pas des innocents. C'est un crime. Ça suffit. Dis-moi plutôt pourquoi tu es venu avec tes amis. Tu sais bien pourquoi. Nous sommes tous venus ici pour venger la mort de ces innocents. Alors ne perdons pas de temps. Vous allez mourir. Peut-être, ça dépendra de ton habileté. Attends d'ici, emmène-le. Cours, dépêche-toi. Attrapez-le, voyons. Suivez-moi. L'âne. Oh, Larix, vous ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis blessée, mon Dieu. Mais parlez, Larix. Dites-moi, où est Chiang? Chiang, il est... Lynx, parlez. Il est allé venger son père. Oh, son père. Shen a été tué, c'est ça? Oui. Il est mort? Oui, ils l'ont tué. Yashling, c'est eux. Oh, toujours Liet. Et Chiang se bat avec eux? Il se bat seul? Oui, Chiang. Elle est en danger. Sauvez-le. Sauvez-le. Oh, Lynx!
Il est bien tard. Que voulez-vous au maître? Qui êtes-vous? Qui je suis? Ah, ce n'est pas votre affaire. Répondez-moi. Que voulez-vous au maître? Pouvez-vous prendre des décisions sans votre maître? Voyons toujours. Je veux voir quelqu'un. Et c'est qui? Lin Shaoqiang. Qui êtes-vous? Je suis sa mère. Chiang, c'est votre fils? Oui, et je veux le voir. Dites-moi où il est. Madame, je regrette. Vous refusez? Oui, c'est impossible. Dites à Yetch de venir ici. J'ai reçu l'ordre de ne le déranger sous aucun prétexte. Il est inutile d'insister, madame. Ah, alors, j'attendrai son bon vouloir. Êtes-vous vraiment sa mère? Pourquoi vous mentirais-je? Ah. Alors dans ce cas, il n'y a plus qu'à attendre. Puisque vous êtes là, il ne va pas tarder à venir. C'est parfait. Vous voulez dire que Chiang n'est pas ici, hein? C'est ça, il s'est enfui, les blessés. Il s'est enfui, c'est extraordinaire. Il n'ira pas très loin. Adieu. Arrêtez-la. Que voulez-vous de moi? Que vous restiez ici, nous allons l'attendre. Je sais qu'il viendra. Oui, il viendra vous chercher. C'est ce que vous pensez. Et si je refuse? Vous ne pouvez pas refuser. Alors voyons comment vous allez faire pour me retenir. Attendez. Arrêtez. C'est pas vrai. C'est un miracle. Comment es-tu encore vivante après avoir sauté de ce précipice il y a 20 ans? J'ai eu énormément de chance d'avoir survécu. Ah, je suis heureux de te voir. Si tu le veux bien, d'abord asseyons-nous et raconte-moi tout. J'ai bien peur de n'avoir rien à te dire. Je m'en vais. Ah, Yetchling, as-tu l'intention de me retenir? Qu'elle s'en aille. Mais oncle, elle est... Tu as bien entendu, laisse-la partir. Oncle, vous devez savoir qu'elle est la mère de Chiang. Comment sais-tu ça? C'est elle qui me l'a dit. Quelle fatalité. Nous devons le retrouver. Maman? Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Chiang, Chiang, dis-moi, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ne t'inquiète pas, ça va. J'ai eu très peur, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'étais chez les Yetch. Ils m'ont dit que tu t'étais enfui et que tu étais blessé. Ce n'est rien, une petite égratignure. Oh, parfait, je craignais le pire. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé? Viens, je vais te soigner. Merci, mon fils. Mais c'est inutile. Il est trop tard, je vais mourir. Non. Tu guériras. Chiang, écoute, avant de mourir, il y a une chose que tu dois promettre. Quoi? Je t'écoute. Promets-moi, mon fils, ne te venge surtout pas des Yetch. Chiang, je t'en supplie, renonce. Mais c'est eux qui ont tué mon père et sa famille. C'est donc mon devoir de les venger. Je dois les tuer. Chiang, c'est très bien d'avoir l'honneur familial. Je te comprends, mais... Seulement, il y a une chose que tu oublies.
Tu es un Lin et aussi un Yetch. Oui, par moi, Chiang. Ceux que tu veux tuer, eh bien, ce sont tes cousins, tes parents. Écoute, mère. Chiang, veux-tu que cette... que cette haine dure toujours entre nos deux familles? Promets-moi de ne pas te venger. Tu dois réunir nos familles. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas oublier tous ces morts. C'est trop difficile. Chiang, pardonne, sois meilleur qu'eux. Je t'en supplie, tu dois jurer de ne pas te venger. Fais un effort. Je t'en supplie, promets-moi. Sao Chiang. Sao Chiang. Je te... Oui. Je... Oui. Je te jure. Oh, Chiang, mon fils, s'il te plaît. Je te jure que je ne chercherai pas à me venger. C'est vrai. Oui. Oh. Oui. Alors, dans ce cas, je suis heureuse. Oh. Et je vais mourir heureuse. Non. 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 J'ai cessé de tuer les hommes. Oui, par amour pour toi, je n'ai plus jamais tué un homme. Sais-tu qu'avant de te rencontrer, j'en avais tué 99. Un de plus et j'arrivais au 100. Tu m'as donné 20 ans de bonheur. Les hommes t'ont tué et mon bonheur est fini. Je hais les hommes. Je hais les hommes. Je te vengerai. Je tuerai à nouveau. Cette nuit, je recommencerai à manger les hommes. Au lever de la lune, j'aurai mangé mon 100e homme et je n'arrêterai plus. Je détruirai tout leur poulailler. Transformé en vieille femme, je détruirai cette famille jusqu'au dernier. Que se passe-t-il? Maître, toutes les poules ont été tuées et mangées. Hein? Il y a des traces de tigres. Un tigre? Serait venu ici? Il doit être encore dans les environs. Partons à sa recherche. Tout de suite. Thank you.
C'est un tigre qui est venu cette nuit. Dites-moi. Dites-nous, père. Le tigre est venu à la maison, mais quelqu'un a-t-il été blessé? Justement, c'est intrigant. Il n'y a eu personne. Maître! Maître! Oh. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Maître, une chose horrible! Parle, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons trouvé votre neveu cette nuit. J'aimerais bien savoir ce qu'il se passe dans cette maison. Mère, notre cousin a été tué cette nuit par un tigre. Oh, maître, 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 maître. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tous mes canards ont été gorgés. Dans la nuit? Oui, maître, c'est le tigre. Il mange tout, il détruit tout. Il faut faire quelque chose. Oui, il a aussi mangé mes cochons. Moi, j'ai deux moutons qui ont disparu. C'est le tigre. Taisez-vous. Nous allons organiser une chasse, mais avant, je dois aller acheter des pièges. Oh, nous le tuerons. Oui, nous le tuerons. Ling, ne bougez surtout pas de la maison. Surveillez vos filles et tâchez d'être prudente. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez partir tranquille, nous ne bougerons pas d'ici. Devrait être revenu depuis longtemps. Je commence à être inquiète, car il sait que demain je dois aller chez votre grand-mère. C'est l'anniversaire de sa sœur, ma tante.
Je leur ai promis que je viendrai. Je dois y aller. Hadid, pouvons-nous aller avec vous? J'aimerais bien que vous connaissiez votre grand-mère. Je vous emmènerai une autre fois. J'ai promis à votre père que vous ne bougeriez pas d'ici. Il faut obéir. C'est pour votre sécurité. Il est interdit de sortir. Chiloua, je t'emmènerai la prochaine fois. Promis. Xiao, et toi, vous allez préparer le dîner. Quand il rentrera, il aura très faim. Le tigre est peut-être encore à rôder autour de la maison. N'ouvrez la porte à personne. C'est bien compris? Oui. Mère, ne vous inquiétez surtout pas, nous resterons ici. Je sais que je peux compter sur vous. Je dois y aller. Mère, revenez-nous vite. Oui, je ne m'absente que quelques jours. Délicieux ce que tu veux faire. Cela peut être à cette heure, Loa. Eh bien, viens, allons voir. Qui est là? C'est moi, votre grand-mère. Mais pourquoi vient-elle aussi tard? Il a dû se passer quelque chose de grave. Le mieux, c'est d'ouvrir la porte. Où est mère? Le savez-vous? Mais elle est avec votre père. Elle m'a demandé de venir vous tenir compagnie. Xiao, c'est grand-mère, c'est sûr. Ouvrons la porte. Bonsoir, mes jolies petites filles. Pourquoi êtes-vous venues? Ça, c'est à cause de votre mère. Elle était inquiète, elle m'a demandé de venir vous retrouver. Ah, grand-mère, venez avec moi. Vous devez être très fatiguée. Oui. Vous devez aussi avoir très faim. Voulez-vous manger quelque chose? Oui, merci, mon enfant. Servez-vous, c'est Xiao qui l'a fait, mais je l'ai aidé.
Oh, Lynn, pourquoi es-tu réveillée? Parce que je ne me sens pas bien. Peut-être parce que j'ai trop mangé. Je vais aller prendre l'air. Ah, tu as trop mangé toi aussi. Ce n'est rien, ça va passer. Noir dehors, c'est très dangereux. Je préfère t'accompagner. Je vais sortir avec toi. Grand-mère, je vous assure, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas peur. Ah, où vas-tu? Ah! 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 Thank you.
Oncle, que fais-tu ici? Pas elle. Non. Elle est innocente. Tu ne dois pas, oncle. J'ai juré à mère qu'il n'y aurait plus de vengeance. Tu les as tués, hein? Tu es le tueur. Oncle, non, pas elle. Siao, va-t'en. Cours vite. Non, oncle, arrête. Laisse-moi. Tu es fou. Elle est innocente. Tu ne dois pas la tuer. Tu me fais mal. Maintenant, tu peux me manger si tu le veux. Je ne peux pas m'enfuir. Allez, viens. Grimpe à cet arbre et viens me chercher. Oui, c'est bien. Ouvre la gueule. Ah, je peux déjà sentir ton haleine. Tu vas pas me faire souffrir. Tu vas me dévorer très vite, j'espère. Ta gueule, dépêche-toi. Xiao Lin. Xiao Qiang. Oncle Tigre, il est mort? Chung Lin, c'est moi qui l'ai tué. Tu as vengé tes parents? Oui, et lui, il a vengé tous les tiens. Nous savons que les tigres sont tous des tueurs, c'est leur nature, oui. Xiao Qiang, tu m'en veux, n'est-ce pas, d'avoir tué ton oncle? Tu n'avais pas le choix, c'est le destin. Nous sommes innocents. Maintenant, pour toujours, nous serons heureux.